Et salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce dimanche, donc on se continue cette jolie display partie 2, en espérant avoir mieux que sur la partie 1. En tout cas, on devrait faire beaucoup mieux. Alors, je tiens à préciser aussi pour le concours, donc Jean-Baptiste, donc c'est parti, donc il a dû le recevoir normalement. Donc, Anto, pas de nouvelles. Bon, tant pis pour lui, ou s'il me contacte après, il prendra la carte qui reste. Parce qu'il faut enchaîner. Donc, passion Pokémon. Donc, ça sur Discord, ça va pas poser de problème. Donc, il faudra me dire votre choix. Vous passez en numéro 2, du coup. Donc, après, c'est Alex Pouy qui me dira. Et derrière, Kojira et Karine. Et voilà. Mais normalement, si on prend la même carte, ça va aller vite. Voilà. Donc, tout ce beau monde me contactera et on fera ce qu'il faut au moment voulu. En sachant que je suis pas là toute la semaine. Je repars donc avec ses mains pour toute la semaine de travail. Donc, si on me contacte rapidement dimanche soir ou lundi, parce que c'est férié, on pourra faire quelque chose, même si je pourrais peut-être pas tout de suite les envoyer, mais en tout cas, on pourra faire quelque chose, se mettre d'accord sur les cartes. Allez, c'est parti. Donc, le petit Ronflex, c'est parti. Allez, on va remonter vite fait la tête. Je crois que si on prend les quatre, c'est bon. Zacian, Zamazenta, Locklass. Et le Ronflex, voilà, donc ça c'est l'art 7. Allez, on veut du lourd dans cette deuxième partie. Même si l'extension n'est pas exceptionnelle, on sait que les sets de base, bon, j'ai complètement déchiré le booster. Il est parti en lambeaux. Allez, c'est pas grave. Même si on sait que les sets de base ne sont pas tout à fait bien sans sas, en tout cas, on espère avoir du lourd. En tout cas, une petite gold ou une secrète ou quelque chose de pas mal, en tout cas. Allez, c'est parti avec le noisier. Pokémon acier, maillet écrasant. Que nous avons d'ailleurs dans Zenith Suprême. C'est le même dessin, je crois. Crabosse. Gris pâte. Moumouton. Wistempo. L'Armeléon, Rhinocorne, un reverse, un joli Pyrobit, c'est une jolie rare reverse. Ah, nous avons une jolie petite carte derrière apparemment, une petite V pour commencer. Oh, le joli Locklass, le joli Locklass, très très beau. Allez, une petite pochette pour le Locklass, j'adore, l'illustration est très très belle. Bon, forcément, je l'ai mis à l'envers. Allez. Hop là. Très très beau le Locklass. Un petit hit, un booster, un petit hit. Bon, allez. Bon, c'est du moyen. On espère avoir un peu mieux quand même. Allez, deuxième booster. On veut du lourd, on veut du lourd, on veut du lourd. Allez, énergie plante. Bleuzaï. Super Ball. Potion. Muna. Roselia. Kekroc. Larvadar. Le Rhinocorne. Une petite reverse. Comme une reverse, la dame du centre Pokémon. Et une petite rare avec Mushana. Ouais, pas top ce Pokémon. Pas génial. Avec une petite rare là. Allez, allez, on veut du lourd. On veut du lourd. Ça serait bien d'avoir quelque chose de pas trop mal sur cette extension quand même, d'avoir quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Badaboin, Pokématos 3.0, énergie boréale, Rhinocorne, deuxième illustration, je préfère d'ailleurs celle-là. Les plus jolies ces illustrations que celles de tout à l'heure. Shinchidou, Lupio, Cradopo, Miaouss de Galar. Allez, une petite reverse Flambino. Tout à l'heure, on avait le Lapiro. Maintenant, on a le Flambino.
Et derrière, nous aurons juste une renard normale. Pas de l'eau, en tout cas. Petit faunard normal. Allez, petit booster Ronflex. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui me suivent. Parce qu'on est 284 exactement sur la chaîne. Donc, on arrive aux 300 pour faire un petit concours encore où je ferai gagner trois belles cartes. De jolies petites cartes comme j'ai l'habitude de faire gagner en général. Donc, je ferai gagner trois belles cartes. Dès qu'on passe aux 300, de toute façon, je lancerai un concours si j'en fais pas un autre avant d'ailleurs. Mais au 300, on fera un concours où je ferai gagner des jolies cartes. Je ferai gagner, pareil, trois gagnants avec trois jolies cartes. Blanc, coton, je n'ai pas décidé lesquelles je mettrai. En tout cas, pour l'instant, le ballon, le flambino. Mais pour les 300, on va faire un petit concours encore et récompenser tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui sont déjà abonnés. Pikachu, très très beau le Pikachu. Miaouss de Galar, Torgamor et Roserade en rare normal. Alors j'ai les mains un peu noires, c'est normal, c'est que tout le boulot toute cette semaine, et là ça part pas le noir. Je travaille dans la métallurgie et cette semaine j'ai eu beaucoup beaucoup de boulot, donc les doigts ils sont tout noirs, j'arrive pas à faire partir la noirceur sur les mains. Les bols sabés les mains, ça part pas du tout. Il va falloir quelques temps que ça parte. La semaine en Espagne du 8 au 13 va faire du bien. Rapid ball. On va pouvoir se reposer parce qu'on a encore une grosse semaine la semaine prochaine. Et après, quelques semaines de vacances derrière vont faire du bien. Flambino, t'es froid. Très très belle illustration. Ça sort un peu de l'ordinaire. Marakashi. Marakashi. Pikachu, encore un joli Pikachu. Miaouss de Galar, on vient de voir assez régulièrement là. Tritox. Ah, Reverse. Allez. Non, nous aurons un Pachiraja en holo. Oh, c'est des très très belles holos. Un joli éléphant. Pachiraja. Bon, allez. Le classe, il s'ennuie là derrière. Allez, les petits, on va nous sortir une petite dinguerie de cette extension. Ça serait génial. Parce que là, le classe, il s'ennuie un peu. Allez. Energy Fire. Krabos. Rhinophéros. Grande Amulette. Coquillasse. Cradopo. Dunaja, Shinshidou, Goupix, Charibari. Après le Pachirasa, nouveau le petit Pokémon de base, le Charibari, le petit éléphanteau. Et derrière, nous aurons un Noirfang en rare normal, avec une jolie illustration. Il vole dans la forêt parmi les arbres. Très, très belle illustration. Allez, on veut du lourd. Donc plus de 14 personnes pour les 300 abonnés. Donc on arrive aux 300. On arrive on va dire à grands pas là. Ça fait quelques temps qu'il y a quelques personnes qui s'abonnent régulièrement. Donc ça fait plaisir. Surtout que le boulot que j'ai en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais bon, je vous fais les vidéos qu'il faut à chaque fois. Noisier. À Flamanoir, je prends le temps de faire vite les vidéos parce que le week-end sont très courts quand on part du lundi au vendredi soir. Le week-end, il reste plus que 2 jours. Alors, exceptionnellement, la 3, c'est le week-end qui arrive. Mais bon, c'est très très court les week-ends. Watapic, il faut tout faire le week-end pour programmer tout la semaine. Larvadar. Oh, un petit boudé. Le petit boudé qui joue avec les Pokéballs. Léoulan. Il est où l'âne? Pour ceux qui ont la référence. Allez, Krakos. Le Krakos. Ouais, bon, c'est pas terrible Krakos quand même. Évolution de Poulpaf. Eh bien, c'est pas terrible pour l'instant.
La display, je vais commencer à regretter de l'avoir ouverte. Parce que franchement, si c'était pour avoir pour l'instant que ça, c'est compliqué le tirage. Énergie acier, blanc coton, un ballon, registre ami, rhinocorne, chien chidou, nous retrouvons souvent les mêmes illustrations. Loupio, belle illustration. Illustration sur fond bleu comme ça, ben on dirait un peu des étoiles, même si j'étais dans l'eau. Certainement. Cradopo, Miaouze de Galar, que nous avons eu quelques fois là. Une récupération d'énergie en reverse. Et bien derrière, c'est un roublenard et ça ne veut pas sortir. Hein. C'est terrible, cette display commence à être vraiment terrible. Je voulais pas l'ouvrir, cette display. Et je crois que j'aurais bien fait de ne pas l'ouvrir. Parce que franchement, pour l'instant, c'est vraiment pas terrible du tout. Il manque des ultra rares, tout simplement. Il manque des grosses cartes. Hein. On a beau dire que les V, c'est des ultra rares, mais bon, ça reste de la petite carte aussi. Hein. Trio Picker. Allez, on espère quelque chose. La Dame du Sang Pokémon. Très jolie carte. Récupération d'énergie. Out. Flambino, il fait des étincelles, Flambino, il fait du feu. Ah bah, les étincelles, les voilà. Pikachu. Allez, on veut du lourd dans ce booster. T'es froid. Moumouton. Un reverse, un maillet écrasant. Star étincelante. Non, pour qu'ils arrêtent. Zénith suprême. C'est le même. Je crois, il me semble bien que c'est le même. Une V-Max. Une VMAX. Oh, un Loclass. Je crois bien que je l'ai eu déjà celui-là. Donc, on va être abonné au Loclass. Cette fois-ci. Mais le Loclass, je l'ai déjà celui-là. Ah non, j'ai le. Je sais que j'ai la version Full Art, la version secrète du Loclass. Mais peut-être pas celle-là, la Gigamax. Ben, ça me dit quand même quelque chose. Je ne veux pas me lancer dessus, mais il me semble que. Il me semble que je l'ai. Et il faut quelque chose d'autre parce que même ça, c'est pas terrible. Si elle reste des jolies cartes, ça me fait penser un peu à Destinée Radieuse, le classe. Allez, Super Bowl. Potion. Rhino Féroce. On veut quelque chose du Naja. Larvadar. Oui, oh. Le doigt pas très propre, il y a une gold. Il y a une gold. On aura une gold dans ce booster. Elle ne veut pas se cacher, hein, mais. Voltoutou. Rapion. Ah, si ça pouvait être Zacian ou Zamazenta en gold. Si ça pouvait être un Pokémon, ça serait génial. Ça rattraperait un peu là. Et c'est ça, c'est un Pokémon. Hein. C'est un Pokémon. Yes. Yes, 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 yes. Voilà, ça c'est beau. C'est peut-être pas la plus grosse carte de l'extension, mais c'est l'une d'entre elles en tout cas. Très 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 belle carte. Il y a au moins une secrète dans la boîte, c'est déjà pas mal. Et puis, quelle secrète? Le Zacian V. Trop trop belle. Celle-là, je pense qu'elle va faire plaisir à beaucoup de monde qui vont regarder cette vidéo, parce que franchement, celle-là, elle est très très belle, elle est énorme comme carte. C'est les cartes qu'on recherche dans l'extension. Hein. C'est ces deux-là, Zacian ou Zamazenta Gold. Elles sont magnifiques tellement qu'elles sont belles. Donc voilà. En tout cas, profitez de vous abonner. Arrivez vite aux 300 et on vous fera gagner. Je vous ferai gagner des jolies cartes. J'ai un classeur entier de double. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est trop gros. Donc j'ai plein de cartes à l'échange. Donc pour les 300, je ferai un petit truc. Enfin, quand je dis un petit en général. C'est quelque chose de pas mal hein, quand même. Échange d'énergie, je mettrai trois jolies cartes. Scalproie, Malamandre, Poulpaf, Moumouton, Larméléon, Watapic, Larvadar. Déjà la boîte est devenue un peu plus jolie déjà. Avec une gold c'est un peu plus joli. Heureusement que c'était pas un objet.
Mais finalement, la deuxième partie aura été beaucoup plus belle que la première. La deuxième partie était beaucoup mieux. Tout ça pour avoir, parce tout ça parce qu'on a eu une gold et une VMAX aussi. Mais il manque, allez, je dirais qu'il doit manquer encore deux hits. Pour moi, il y en reste deux. En général, ces displays d'épée et bouclier, les premières, elles avaient 8 hits en général, en moyenne, on va dire. Donc, il manquerait encore deux hits, quoi. Donc, ici, j'arrive bien à sortir le booster de son. Les cartes du booster, on pourrait y aller un peu plus vite. Énergie Pikachu. Démanta. Coléodome. Bleuzeil. Misdibule. Mais on pourrait avoir une petite alternative. Hein. Pourquoi pas, après une gold. Pourquoi pas avoir une belle boîte finalement après une première partie un peu désolante. C'est un peu le mot, hein, topiqueur. Parce que la première partie était un peu fade à mon goût. Rapion. Lupio, un reverse. Et Dryl, un rare normal. Ouais. Pas formidable celui-là. Pas formidable ce dragon là. C'est un peu il est un peu bizarre là. Je fais un peu penser au dragon là ou le chien qui était dans l'Histoire sans fin là, pour ceux qui connaissent un peu le film Histoire sans fin. Le genre de chien en forme de serpent là qui vole là. Il faut un peu penser à ça, on va dire. Allez, énergie combat. Bleuzeil, Megavolt, Linéon de Galar, Topiqueur, Grindur, Poissirène, Roselia. Allez, encore du 8, on veut du 8 et plus de V par contre. C'est ça, ce qui serait bien, c'est d'avoir plus de V. D'avoir du 8, mais plus des V. Ouais, ce sera une V encore. Ben peut-être un Zacian Zamazenta, hein? Ben oui. Un petit Zacian V. Après la version Gold, on a la version V. Bon, je ne sais pas si je l'ai ou pas celle-là. Je garde des demi-displays, donc c'est pas impossible qu'on l'a déjà. Mais je n'en sais rien du tout. En tout cas, très belle illustration. On a la version Gold, la version V. Le côté du low class. Donc allez, il nous reste sur 5 boosters. Je pense qu'il reste un 8. Mais s'il pouvait y en avoir 2, ça serait pourquoi pas génial. Parce que là, c'est. On a eu un peu trop de V quand même dans la boîte. Si on peut avoir autre chose qu'une V, encore, ça serait génial. Il manque de gros hits quand même dans ces displays. Dans ces anciennes displays, les quotas étaient petits. Hein. En général, c'est 8 dans une display en moyenne. Rapid Ball, ça peut être moins. Malheureusement, en plus, ça peut être moins. Lunaja, Larvadar. En général, ça tourne entre 6 et 10, je pense. Et 6, c'est vraiment petit. Hein. Pour 36 boosters. Rapion. Ah, le Berserker des Galars. Illustration. Pas mal. Et derrière, nous aurons un Poltergeist. Poltergeist. L'évolution du thé froid. Après, Poltergeist, il est chaud, quoi. Le thé froid, Poltergeist. Je sais plus quoi raconter, en fait, là. Je me perds tout seul. Allez, on réclame encore un joli hit, s'il vous plaît. Énergie Psy. Allez, Lapiro, super bonbon, on veut du Goït, Béprine, d'accord, Poulpaf, Fantominus, qu'on n'a pas vu souvent, Minisange, Gripat, Frissonil, un Reverse, encore le Gripat. Deuxième illustration, mais c'est aussi un reverse. Et donc, nous aurons à la fin un nigosier. Un joli oiseau. Un petit nigosier. Allez.
petits assiettes, qu'est-ce que tu vas nous donner? Donne-nous quelque chose. Il y a des alternatives dans cette série. Il y a des belles cartes à avoir. Pourquoi tu ne nous en donnerais pas une avec une petite gold, plus autre chose? Donne-nous une jolie carte encore. Allez, la dame du centre Pokémon. Et pourquoi pas un dresseur full art? Noisier. Thiboudet. Scalpion. Flambino. Goupilou, Loupio, Blancoton Reverse. Attends, on va voir quelque chose là derrière. Non, toujours pas. Dunaconda en holo qui fait son attaque étoupissant. L'évolution de Dunaja. Le Dunaconda holo. Allez, deux boosters. Normalement, il doit rester un hit. Hein. Normalement, des displays, donc en moyenne 8. Donc, déjà que c'est pas beaucoup 8, alors que si on en a moins, c'est encore moins intéressant. J'espère que on va avoir bien le 8e hit et qu'on ait quelque chose de sympathique. Énergie Water. Alors, on a l'arrosoir. L'arrosar. Canne ordinaire. Travis. Qui est aussi dans Zénith Suprême, le Travis. Staupiker. Grain dur pâte à modeler. Poissy-Reine. Très belle illustration du Poissy-Reine. Roselia. Statitique. Allez, on veut du hit, on veut du hit. Il restait deux boosters pour un hit. Allez, allez, s'il vous plaît. Et ça sera dans le dernier. Un Boumata. Boumata. Allez, on n'avait pas vu le Boumata. Bon, dernier booster, le classe. Allez, le classe pour avoir un dernier hit, s'il te plaît. Donne-nous le 8e hit de la display. On veut ça. On le veut, on le veut. On tient à avoir quelque chose d'énergie. Ténèbres. Scalproie. Malamandre. Triopiqueur. On n'avait pas vu d'ailleurs, il me semble pas avoir vu celle-là, c'est une unco et on l'avait pas vu. Il y a deux triopiqueurs qui se rencontrent. Et l'illustration est pas mal, hein. Pas si mal que ça, l'illustration, on l'avait pas vu. En tout cas, moi, ça me disait rien, il me semble pas qu'on l'ait vu. Balbuto, peut-être dans la partie, hein. Mais là, on l'a pas eu du tout. Allez, mouton. Statitique, allez, on va pour un 8e hit, s'il vous plaît. Tritox. Un reverse, Larvadar, il y a quelque chose derrière. Oh, et ça brille joliment. Oh, alternative. En tout cas, ça a l'air d'être une full art. C'est une full art. Oh, le Chartor V. Très très belle Chartor V. Hein. On aurait quand même une full art et une secrète. Très très belle Chartor V. Celle-là, par contre, je l'avais pas. Ça, c'est sûr. Je l'avais pas celle-là. Très très belle. Donc on aura bien eu en totalité 8 hits. Oh là, par contre, le cadrage. Vous voyez le bord en haut comme il est épais et le bord en bas, il n'y a plus rien. Même le. Je crois que si je vais être prêt. Le Pokémon, il est même coupé en bas. Vous voyez, 2020 Pokémon complètement coupé. Il manque. Et là, là-haut, il y a un cadre. Il y a un gros cadre, quoi. Il y a un trait noir là, ils y sont tous, ouais, peut-être. Ouais, il y a toujours le trait. Ouais. En tout cas, le cadrage de celle-là, il n'est pas top. Hein. Mais en tout cas, la carte est très belle. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de celle-là, là. Mais moi, je la trouve belle. Les couleurs sont. Toutes les couleurs sont pas mal. Allez, bon, bah, cette deuxième partie était largement mieux avec notre joli gold et notre full art. Et notre joli low class, là, nos jolis low class. Un petit Zacian, un petit Chartor Full Art, un petit Zacian V en or. Et Locklass V Max, très très beau aussi. Un petit Locklass V qui est très très beau. Et je crois qu'il était lui dans un coffret en promo. Cette illustration me dit quelque chose. Je sais pas s'il n'était pas dans le coffret Locklass en promo. Donc voilà, n'hésitez pas donc à liker la vidéo, à partager.
Et surtout, abonnez-vous pour les 300 abonnés. On va faire gagner encore quelque chose. Quelques jolies cartes, en tout cas, on va faire gagner ça. Ça, c'est sûr. On fera encore des concours. Et pour les 300, on va faire gagner des jolies cartes. Je vais gagner 3 jolies cartes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Allez, à bientôt pour de nouvelles ouvertures et salut les petits clous.